Salut, c'est Bob. Il pleut. Et il a plu presque toute la journée en fait. Voilà. Du coup, c'est bien, je peux tester mes super bottes. Spécial bricolage par temps de pluie estival. Estival, ça rime avec que dalle. Là, ça s'était calmé. Je suis sorti manger quelques fraises. Mais à genoux sur la bâche, ça y est, c'est foutu, je vais avoir les genoux trempés. J'en ai de la fraise, et je voudrais bien les ramasser, parce que si elles prennent trop la flotte, elles vont être dégueulasses après. Là, je suis en train de réfléchir à comment je vais m'y prendre. Je me demande si je ne vais pas faire de la confiture. Ou alors, il faut que j'aille chercher du rhum, et puis que je fasse une sorte de rhum arrangé pour les conserver, ou alors un peu les faire à l'alcool de fruits pour les conserver, parce que là je sais pas. Bon, mais là j'ai du sucre roux. Je vais essayer de ramasser tout ce que je peux malgré la flotte, et puis je vais les cuire. Faut que je regarde ce que j'ai comme bocaux propres, oui, parce que ça, des bocaux j'en ai, mais propres. Sinon, je vais tout perdre là. Mais pas à cause des bestioles qui m'en bouffent beaucoup, mais à cause du temps de merde. Voilà. Bon, j'ai fini ce matin mon immersion facilitée d'aide à domicile. Bon, les collègues d'une semaine avec lesquels j'ai travaillé avaient l'air contentes de mon comportement. Probablement que je verrai la responsable la semaine prochaine. Je vais peut-être l'appeler tout à l'heure, quoique là non, il est 17h. Je verrai. Sinon j'ai par mail. J'aime bien moi les mails. Bon, là, toute l'attention de la semaine, parce que ça paraît pas, mais pour un hypersensible quand même. Donc là c'est redescendu. D'ailleurs, j'ai mangé et je me suis écroulé. J'ai dormi 2 heures. J'en sors là, à peu près. Alors que normalement je ne fais jamais de sieste, même si je dors peu. Bon, là ce matin c'était un vieux monsieur qui suite à une opération qui a mal tourné à l'hôpital se retrouve cloué au lit. Ouais, c'était ça, c'est ce qui m'impressionne le plus. Le contact humain direct, hein, nettoyer les gens, leur changer les couches, hein, je ne sais pas comment appeler ça autrement. Et c'est être confronté à leur solitude, à leur souffrance. C'est dur. Bon, j'ai quand même demandé à y assister. Ça me permet aussi de voir le courage de ces femmes, parce que principalement c'est quand même pour le moment un métier où les femmes dominent, de voir leur courage et leur humanité. Ouais. Elles ont des capacités que moi personnellement je vais avoir du mal à trouver. Masser les pieds des gens avec des huiles ou des onguents spécifiques pour les aider à la circulation, éviter les escarres. J'avoue que ce sont des choses pour moi qui ne vont pas venir aisément. Bon voilà, mais c'est une possibilité. Je me remettrai demain à consulter les offres d'emploi quand même. Là, de la semaine, je suis resté. Voilà, c'est bon, j'ai une immersion facilitée, donc Pôle emploi est au courant et c'est bon. Enfin, je peux lever un peu le pied sur les recherches. Bon, voilà, alors est-ce que je vais à Guéret chercher du rhum? Où est-ce que je ramasse les fraises sous la pluie? Mais là, mine de rien, je pense que j'en ai un paquet. Hein. Bon, sinon je vais les cuire. De toute façon, il fait froid. D'ailleurs, je viens même de rallumer mon poêle au mois de juin. C'est pas mal, hein, on est le 14 juin. Je suis en bottes en caoutchouc et que donc j'ai très très bien fait de commander. Elles sont un peu plus hautes que mes bottines précédentes. Elles sont coquées. Donc si là je m'amuse à passer un coup de débroussailleuse, pas aujourd'hui, je ne crois pas.
je me sens un peu plus protégé. Il va aussi falloir d'ailleurs que je ressorte la tronçonneuse parce que, il va falloir que je coupe ce qu'il me reste de bois. Parce que si c'est tout l'été comme ça, et puis que je me mette en quête de trouver du bois de chauffage. Parce que là, je pense qu'il va falloir que j'en commande avant l'automne. Bon, bah voilà. Bon, allez, je ramasse les fraises ou je vais chercher du rhum. Ouais.